vraiment, c'est ridicule. Oh my god. Yo les Big Mac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 24h. C'est pour ça d'ailleurs que je me réveille, que vous voyez ma tête comme ça, mes cheveux, mais oh my god. On dirait clairement j'ai mis les doigts dans une prise électrique. Non mais pour de vrai là. Mais là par contre je suis trop content parce que je voulais trop tester cette vidéo. Vous l'avez sûrement vu dans le titre. Mais pendant 24h je vais manger uniquement du Starbucks. Je sais clairement pas si c'est possible, si je vais crever de faim à la fin de la journée. Et je sens que mon porte-monnaie va en prendre un coup aussi. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à la liker en bombe pour me soutenir et à t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait. Oui, je vous vois, les gens qui me regardent alors qu'ils sont pas abonnés. Non mais on est où là? Sur ce, je vais directement aller me préparer. Je vais pas sortir avec la tête de folle comme ça. Les gens vont avoir peur dans la rue, très clairement. Je suis vraiment en train de me laver les dents alors que juste après je vais faire mon petit déjeuner. Je suis vraiment débile mais c'est pas grave. Par contre là les gars, faut vraiment que je m'active un petit peu parce qu'en fait j'ai pas de Starbucks dans ma ville. Du coup bah je vais à Paris. Sauf que mon train il est bientôt, genre dans même pas 20 minutes je dois partir. Et je suis encore en peignoir. Non mais ça va pas du tout hein. Oh my god, je vais encore courir. Bon bah les gars, c'est bon, je suis bien arrivé à Paris. J'ai eu beaucoup de péripéties, en plus c'est mis à pleuvoir. Non mais regardez mes cheveux, vraiment de la paille. Et toute la journée ça va être comme ça, je suis archi énervé. Donc bon là j'ai vraiment besoin d'aller au Starbucks pour prendre mon petit déjeuner. Il est juste ici, donc c'est parti. Bon bah les gars, ma commande est arrivée. Du coup j'ai pris un petit latte glacé pour me réveiller parce que je vous avoue que le matin et moi ça fait deux, vous savez capter. Fabien, on a profité aussi pour en prendre un d'ailleurs. Et du coup pour tester, j'ai pris les pancakes au sirop d'érable. Apparemment c'est le truc chez Starbucks, donc on va goûter et je vais vous dire. Par contre le prix, on va pas discuter, mais c'était assez expensive quoi. Il faut la money en fait. Attendez, je vais faire la trend là. J'ai limite acheté les pancakes juste pour faire ça. Et sache que seules les personnes proches de toi peuvent te mettre un couteau dans le dos, bah là. Mais j'en ai beaucoup trop mis, c'est n'importe quoi. Mais comment ils font les gens? Mais par contre, la grosse blague, regardez comment ils ont écrit mon prénom, Mathis et Mathéies. Ils ont vraiment choisi dans la simplicité parce que bon, mon prénom il s'écrit comme ça pour ceux qui savent pas. J'avoue, il n'y a jamais personne qui a su l'écrire en vrai. Eh, pour une fois, ils l'ont bien rempli. Je me suis archi pas fait arnaquer. Mais wesh! Eh, mais là, c'est le karma qui s'abat sur moi. Et cette boisson, je vous l'avoue, je l'ai déjà goûtée, elle est archi bonne. Vraiment comment bien commencer la journée. Par contre les pancakes, ils m'ont mis une cuillère avec un couteau. Je sais pas comment je suis censée manger ça. Écoutez, je vais le manger comme un sauvage, c'est parti. Eh, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Vraiment le sirop d'érable avec le sucre et tout. Oh my god, c'est les meilleurs pancakes que j'ai jamais mangé pour de vrai. Ah mais j'ai compris, en fait je suis censée couper le pancakes avec le couteau et le manger à la petite cuillère genre. En vrai pour ce petit déjeuner je mets la note de 8 sur 10. Je pense que ça aurait pu être mieux mais c'est quand même déjà pas mal. Mais en vrai je suis grave mal placé pour dire ça parce que le petit déjeuner normalement je ne le prends pas. Mais quand vous avez des aussi bons pancakes comme ça, bah t'es obligé de le manger en vrai. Vraiment je suis trop addict hein, c'est dingue. Par contre encore un point positif, quand tu manges sur place dans un Starbucks, t'as grave un peu l'ambiance qui va avec. Et ça fait très relaxation, très tu te prends pour une personne que tu n'es pas quoi. Je vous ai même pas montré mon outfit of the day. Regardez, j'ai mis une petite veste comme ça avec le bas assorti. Enfin bref, j'ai trouvé tout ça dans une friperie. L'ensemble il m'a coûté 11 euros, wesh. Il y a vraiment pas à être aussi beau comme ça pour 11 euros. Mais du coup là je suis posé un petit peu dans le parc. Je finis mon Starbucks. Clairement j'adore cette vidéo, c'est très chill. Et l'autre derrière qui me suit, j'ai toujours pas réussi à l'abandonner sur une route. Mais qui êtes-vous monsieur? Arrêtez. Là les gars avec Fab on s'est un peu promené dans le parc etc. Et je vous avoue qu'en fait maintenant j'ai hyper faim. On va voir ce que ça vaut et si c'est rentable etc. Mais je pense que je vais prendre ça clairement. De retour dans le parc, on a trouvé une place. On est grave tranquille pour filmer et tout. J'ai trouvé une place hein. Oui bon c'est bon. J'ai invité Fabien parce que lui aussi a pris un menu. Et on va pouvoir goûter deux choses différentes. Vous allez voir c'est hyper choquant ce qu'il y avait. Personnellement j'ai pris un sandwich. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il était rikiki. Vraiment minuscule. Eh, j'étais choqué, je pensais qu'il allait être grand moi. Et moi je suis choqué, il y avait des croque monsieur. Du coup j'en ai pris un. Vraiment il y avait grave de la diversité. Il y avait même un truc à la mozzarella. En boisson moi j'ai pris un réfraîchat mûr et biscuits. Fabien a fait exactement pareil que moi. Et ça je pense que c'est la boisson qu'on prend le plus souvent. Ça a le goût de... vraiment vous savez, de grenadine avec de la myrtille. Perso j'adore, c'est clairement une addiction. Et en dessert du coup moi j'ai pris une sorte de muffin au chocolat. Oh my god. Par contre il est hyper gros. En plus il y a les pépites et tout. Franchement ça a l'air d'être incroyable. Et moi j'ai pris le cookie au chocolat blanc. Mais toi il est tout petit, ouais, il est trop nul. C'est quoi ce choix? Mais franchement qui fait ça? T'as le choix entre un gros muffin et un petit cookie. Il prend le cookie, wesh. À quelle heure? Waouh. Mais son croque monsieur il est archi stylé. Par contre il est petit aussi. Et moi
Vraiment, c'est ridicule. Et pour tout ça, on en a eu pour 21€. Si je fais une comparaison avec McDo, bah pour deux menus McFirst, à nous deux, on en a pour 10€. Mais après, on n'a pas de dessert et tout. Donc voilà, c'est à choisir. Et ça change au moins. Ouais, ça change. C'est parti, j'espère au moins qu'il est bon. Ah oui quand même. Franchement, même si c'est un peu cher, ça vaut son prix. Bon, c'est parti, c'est à moi. Par contre, j'ai peur parce que dedans il y a de la moutarde et je pouvais pas l'enlever. On va voir. Il fait toujours des manières, lui. Il a l'air trop bon. Ah oui. On est d'accord que la qualité, elle est comme ça. Vraiment, même le jambon et tout, c'est grave qualité supérieure en fait. On peut voir le fromage, il coule et tout, mais wesh. Wouf. Limite, c'est le meilleur croque-monsieur que j'ai mangé pour de vrai là, je ne rigole pas. Bon, moi je vais goûter le sandwich du coup. Le sandwich, j'aime pas trop. Quoi? Non, j'aime pas. Hyper choquant, on a vraiment pas les mêmes goûts. Je suis mort quand j'ai fait ça, il y avait une meuf, elle m'a regardé trop mal. Ah oui, bonsoir. Arrête, putain, je me tape la honte. Attendez, parce que là, je suis trop pressée, je vais goûter le dessert avec vous. Et je suis encore choquée de la taille. C'est aussi gros que, voilà. Non. Waouh. Ah mais vraiment, pourquoi je suis toujours à faire des blagues comme ça? 3, 2, 1... Eh, le croc que j'ai fait, je m'attendais à mieux, mais c'est bon, genre. Je trouve que c'est un peu sec. Le gâteau est sec. Allez, vas-y, goûte ton cookie, là. J'espère que je serai pas déçu, parce que vraiment, le chocolat blanc, c'est le meilleur truc du monde. Allez. On dirait du chocolat blanc, mais un petit peu laiteux. C'est vraiment trop bon, genre. Franchement, j'adore. Mais pourquoi il sort des mots comme ça, lui? Je suis gastronomique. Vas-y, passe, je vais voir. Ah oui. Ah franchement, le cookie est largement meilleur que le muffin. Ah bon? Je vais voir ça. Et on peut voir que malgré qu'il soit quand même petit, genre c'est grave garni. Ouais, le muffin je valide pas non plus hein. On est d'accord, il est sec non? Ouais. Mais pour conclure sur le repas du midi, peut-être que le sandwich est petit mais en fait il est grave consistant. Vous savez que là je sais même pas si je vais le finir. Donc c'est parti, on va noter. Après là c'est trop facile parce que la boisson j'étais obligé d'aimer. Le sandwich était archi bon, il y avait vraiment que le dessert que voilà quoi, ça passe pas avec moi. Donc en vrai je pense mettre la note de 7/10. Voilà. Bon du coup je vais faire mon petit commentaire. Moi la boisson c'est pareil, je la connaissais déjà, j'aime trop. Le croc incroyable. Sauf que moi c'est le contraire, en mode je pense que je vais encore avoir faim après. Ah ouais. Ça c'est le petit bémol. Et le cookie incroyable. Mais par contre moi je vais noter aussi par rapport au prix. Ah oui. Donc moi je vais mettre un 6/10. Voilà. Ok. C'est raisonnable. Mais là il y a de la qualité donc tu mets le prix, c'est pas comme McDo tu vois. Ouais. On est assez mitigé mais faut le dire, c'était un excellent repas. Surtout qu'on était au bord du lac comme ça. Il y a le canard derrière nous. Ah mais regardez qui vient gratter la nourriture ici. Vraiment tous les mêmes les canards. Allez on s'en va. Oh, ils sont trop chauds en vrai. À tout moment il mord ma caméra, il me l'a fait tomber dans l'eau. Mais wesh. Bon sinon avec Fab on va finir de manger et puis on se retrouve juste après. Vous inquiétez pas, je vais aussi tester le goûter chez Starbucks. Même à 19 ans on prend des goûters. Enfin y a pas d'âge wesh. Il est 16h, l'heure du goûter. Non, en vrai, il est 15h57, je manque grave. Mais du coup, regardez où on est. Starbucks. Je vais aller tester une sorte de pâtisserie et tout. Oh my god, j'ai vu, ils faisaient des cheesecakes. Mais wesh, c'est abusé comme ça donne trop envie. Après, je vous avoue que si le prix y est. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pour le goûter, je me lance un challenge. En fait, je vais goûter la boisson de Lena Situation qu'elle prend H24. C'est un réfraîchat citron vert sans eau. Ça a l'air pas très très bon, mais on va voir parce qu'apparemment, wesh, limite, c'est un truc de fou quand elle boit cette boisson. Donc moi, je veux tester. J'ai jamais goûté en plus. Ok, donc en plus de la boisson, j'ai pris un cheesecake au caramel. Comment vous dire que ça a l'air incroyable. Pour tout ça là, j'en ai eu pour 9,80€. Ah oui, d'accord. Par contre, les emballages, ils sont vraiment trop kiki. Bon, en vrai, c'est un bout de carton avec leur logo, mais je trouve ça trop beau. Regardons un peu la tête du cheesecake. Waouh. Écoutez, c'est parti. Oh. Ah mais la pâtisserie, incroyable. Je vais le finir en 2-2 vraiment, mais c'est trop trop bon. Wesh, le truc, je m'attendais encore pas à ça, mais c'est un 20 sur 20 là, carrément. Elle est bouchée que je fais à chaque fois. Par contre vu que c'est du caramel j'en ai plein sur les dents. On va goûter maintenant la boisson. D'ailleurs ils ont encore écrit mon prénom Mathis, M-A-T-H-I-S. Allez c'est parti. Oh, oh. Je suis grave surpris. En vrai je m'attendais grave pas à ça parce que c'est du citron vert et j'aime pas du tout le citron de base. Mais là ça rajoute une certaine saveur. Je vous jure c'est incroyable. Lena Situation a grave un bon goût. Limite je vais la reprendre quand j'irai au Starbucks. Donc là pour ce goûter je mets la note de 9/10. C'est le plus réussi. Attendez, Fabien va goûter aussi parce qu'il aime pas le citron. Mais genre vraiment il déteste encore plus que moi. Tiens, allez ma piox. Ah ouais ça va. Tu vois on sent pas trop le citron. Ah ouais. Vas-y pour le cheesecake. Au final il fait la vidéo avec moi hein. Au caramel tu trouves ça comment? Incroyable. Mais regardez-le du coup, stop. C'est ma boisson wesh. Bon là on cherche une rue tranquille à Paris pour faire les TikTok. Parce que bien sûr t'es influenceur ou tu l'es pas en fait.
La TikTok crie. Arrête, c'est trop gênant là. Bon, là du coup il est environ 19h. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un Starbucks à emporter pour le manger chez moi ce soir. Parce que oui, quand même, il faut que je rentre. Et je vous avoue, j'ai grave la flemme de encore manger dehors, etc. Oui, oui, on est des flemmards, je vous avoue. Donc c'est parti pour le dernier Starbucks. Là, on va pas se priver encore, vous inquiétez pas. Ça y est, on a récupéré le menu. Écoutez, là je vais aller dans le train et puis on se retrouve à la maison après ça. Nous revoilà sur mon canapé. Oh mon dieu, il faisait trop froid. Vraiment, je suis trop content d'être rentré et trop pressé de vous montrer ce que j'ai pris. On va commencer cette fois par le dessert. Il restait un seul donut comme ça, donc c'est ce que j'ai pris. Je me suis dit, est-ce qu'il est aussi bon qu'il est beau? Parce que je trouve ça hyper original, ça fait un peu zèbre. Comme sandwich, j'ai pris un truc hyper spécial. Ça s'appelle une... J'espère que je le prononce bien. Et je crois dedans, je sais pas si vous voyez, il y a de la mozzarella, il y a plein de petits trucs qui ont l'air très sympathiques. Et comme boisson, j'ai vu qu'ils faisaient des smoothies. Et du coup, bah moi, j'ai pris aux fruits exotiques. J'ai jamais goûté, bah c'est l'occasion en même temps. On va commencer tout d'abord par ça. En vrai, c'est hyper bon. Non, franchement, même le pain et tout, ça se voit, c'est de la qualité. Oh my god. Mais j'ai failli me tuer. Il y avait un bout de carton carrément sur le truc. Ça a dû coller avec le paquet. Ouais, vraiment. Ça a le goût un peu d'une salade de tomates avec du pain et une sauce. J'arrive pas du tout à savoir ce que c'est. Ah, mais regardez. Toujours lui qui vient gratter de la bouffe, hein, vous le connaissez maintenant. D'ailleurs, fallait que je vous dise. Aujourd'hui, j'ai fait que de pisser, je vous jure. Et toutes les deux secondes, je devais aller aux toilettes. Bah, en même temps, c'est normal, j'ai fait que de boire en fait. Donc bon, je vais tester la boisson maintenant. Ouais, ok, c'est un smoothie en fait. Rien de plus basique, mais j'avoue que le goût du fruit exotique et tout, c'est archi bon. J'ai l'impression que j'aime toutes leurs boissons, c'est n'importe quoi. Et je vais passer maintenant au donut. Ah, mais par contre, c'est pas très très beau le derrière. Après, ça finit pareil dans l'estomac, donc on va pas critiquer. Je pensais pas que c'était comme ça. En fait, la garniture, elle est vraiment au-dessus, mais il y a rien du tout à l'intérieur. Genre, vous pouvez voir, vraiment, il y a nada. Mais du coup, limite, je trouve ça mieux parce que bah c'est pas écœurant. Donc là, mon repas du soir, je lui mets une note globale de 8,5/10. J'ai grave été contente de cette journée. Mais au total, pour manger Starbucks matin, midi, goûter et soir, vous en avez pour à peu près 42 €. Ça fait quand même cher la journée. Mais bon, en vrai, il y a personne qui fait ça à part moi. Et puis, il faut se le dire, je me suis grave fait plaisir. À chaque fois, je prenais des desserts et tout. Bon bah voilà les Big Mac, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker en bombe, ça me soutiendrait de ouf. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est toujours pas fait, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification tous les dimanches à midi. Si tu veux revoir ma tête, t'as juste à me suivre sur mon Instagram. Et puis sur ce, prenez soin de vous, soyez des bergers, pas des moutons. Bisous les Big Mac. Mouah.